Salut YouTube Aujourd'hui je vais vous parler de ce fameux menu Sony qui fait si peur à tant d'utilisateurs et d'acheteurs potentiels. Je connais pas mal de photographes, dont ma copine, qui ne sont pas passés chez Sony à cause de ce menu qui a l'air très contre-intuitif et très casse-tête à première vue. Je vais donc vous montrer comment vous l'approprier ainsi que quelques astuces et vous verrez qu'au final il est vraiment génial. Bienvenue sur ma chaîne, si vous aussi vous aimez la photographie ainsi que la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la petite cloche, je vais sortir régulièrement des vidéos qui risquent fort de vous intéresser. Aujourd'hui je vais vous montrer la richesse des menus Sony grâce à mon nouveau boîtier, le Sony Alpha 7R4. Au premier abord c'est vrai que voir autant de pages ça fait peur. Je ne vais pas nommer toutes les fonctions, je vais juste montrer celles que j'utilise et à quoi elles servent. D'ailleurs si vous aussi vous avez déjà eu un Sony entre les mains, qu'avez-vous pensé du menu Écrivez-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Voilà ce fameux menu. Donc nous avons 15 pages pour la section photo, 11 pages pour la section film, 3 pages pour la section réseau, 4 pages pour la section lecture et 7 pages pour les réglages divers. Donc un total de 40 pages, je peux tout à fait comprendre que ça peut en effrayer plus d'un. Mais ça veut dire aussi qu'il y a 40 pages de réglages différents. Et qu'on peut aller très finement dans tous nos réglages. Donc, à vous de voir si vous voyez votre verre à moitié vide ou à moitié plein. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'il y avait une dernière section. C'est quoi La dernière section est un menu personnalisable. Au lieu d'aller se perdre dans les 40 pages, on peut directement afficher les fonctions qu'on veut utiliser le plus souvent pour aller plus vite. Dans mon cas, j'ai décidé d'y ajouter les fonctions suivantes. J'ai donc mis en premier lieu la fonction formatée. J'imagine que j'ai pas besoin de vous la présenter. Ensuite j'ai mis réglage supplémentaire d'enregistrement, c'est ici que je vais choisir si j'ai envie d'enregistrer sur la carte numéro 1, 2 ou sur les deux en même temps, c'est ça que j'ai choisi pour une question de sécurité. Finder Monitor, c'est ici que j'aurai le choix de prendre mes photos via le viseur ou l'écran. Moi j'ai choisi le mode automatique, dès que je m'approche du viseur, l'écran se coupe automatiquement. Enregistrement visage, cette fonction permet d'enregistrer les visages non pas pour les oublier au cas où vous ne savez plus qui c'est que vous photographiez, mais ça servira à la fonction suivante. Priorité visage enregistré. Si cette option est activée, l'appareil va faire en priorité une mise au point sur les visages enregistrés. Par exemple, sur les mariages, j'enregistre les visages de mes mariés et pendant l'apéro, s'ils sont au milieu de la foule, mon appareil va faire en priorité une mise au point sur leur visage. Et ensuite j'ai luminosité d'écran, là aussi j'imagine que je n'ai pas besoin de vous la présenter. Là j'ai mis format fichier, c'est ici que je pourrais choisir si j'ai envie de filmer en 4K ou en Full HD par exemple. Ensuite réglage d'enregistrement, c'est ici que je pourrais choisir le nombre d'images par seconde. Vitesse AF, c'est ici que ma mise au point automatique va se faire soit rapidement, soit lente ou soit en normal. Niveau d'enregistrement audio, c'est ici que je vais choisir le niveau audio quand je branche un micro externe pendant mes tournages. Et ensuite, mes quatre menus pour mes raccourcis. On va en parler plus tard. Et enfin, la dernière page, c'est ici que je vais pouvoir régler mon propre menu. Je peux ajouter un élément. Une fois qu'il est ajouté, je peux le trier. Je peux supprimer un élément, supprimer toute une page ou carrément tout supprimer. Comme vous pouvez le voir, ce fameux menu terrible est super pratique et très complet. Et je peux encore me faciliter la tâche sans rentrer dans mon menu grâce au petit bouton fonction derrière mon boîtier. Là aussi, on peut paramétrer des fonctions pour aller plus vite. J'ai choisi donc de mettre mode mise au point. Dedans, vous pourrez choisir entre manuel, AFS, AFA, AFC ou DMF. Zone de mise au point, vous aurez le choix entre large, zone, centre, spot flexible, spot flexible élargi et suivi. Prise de vue silencieuse, ici je pourrais activer ou désactiver cette fonction. Détection de sujet, ici vous pourrez choisir entre un humain ou un animal. Priorité visage et yeux en autofocus. Si j'active cette fonction, l'autofocus se fera automatiquement sur un visage ou les yeux. Profil d'image. Grâce à cette option, je pourrais définir le style et le look de mon image. Il y a 10 styles de base que vous pourrez bien entendu modifier à votre guise. Moi j'ai choisi un profil S-Log pour filmer, alors à première vue l'image est plus plate, mais c'est normal avec ce style d'image, je garde plus de détails que ça soit dans les noirs ou dans les blancs. Je pourrais mieux les travailler en post-production. Fonction tactile, si elle est activée, je pourrais faire la mise au point grâce à l'écran, mais malheureusement ça ne fonctionne pas dans les menus. APS-C Super35, grâce à cette option, vous pourrez transformer votre plein format. En APSC. ça veut dire que je pourrais gagner en focale sans perdre en qualité. Je l'utilise surtout au niveau de la vidéo, mais en photo, je ne trouve pas ça très utile. La balance des blancs, les modes créatifs, c'est ici que je pourrais mettre en noir et blanc pour avoir une preview durant mes shootings, par exemple. Et bien entendu, vous avez diverses autres options de couleurs, telles le SEPIA. Je ne sais pas si quelqu'un l'utilise encore, mais c'est possible. Priorité, support d'enregistrement, c'est là que vous pourrez choisir si vous voulez enregistrer sur la carte numéro 1 ou la numéro 2. Steady Shot, c'est ici que vous pourrez activer ou désactiver la stabilisation du boîtier. Et comme si tous ces menus rapides ne suffisaient pas, vous pouvez encore programmer plein de petits boutons pour aller encore plus vite. Je vous montre mes touches perso pour la prise photo. Alors, ici, vous avez live sur les yeux, ça va vous permettre de faire la mise au point directement sur l'œil. Sélection, affichage, live view. De base, votre appareil va prendre la photo telle que vous la voyez sur l'écran. Par contre, en studio, je vais désactiver cette option car l'environnement est beaucoup plus sombre et le coup de flash sera plus puissant que ce que mon œil voit actuellement. Bouton numéro 4, j'ai mis la zone de mise au point. Le bouton numéro 5, c'est la loupe de mise au point. C'est quand je suis en manuel, je peux faire un zoom pour vérifier si la mise au point est bien faite au bon endroit. Standard de mise au point, ça sert à ramener le point focus au milieu de l'écran. Entraînement, alors ça ne va pas du tout vous entraîner à faire des photos, c'est juste pour choisir la prise de vue. Vous avez un choix entre prise de vue unique prise de vue continue, la prise de vue en retardateur et vous pouvez aussi avoir diverses options en bracketing. Ensuite ici j'ai le choix des ISO, ici j'ai la balance des blancs et ici je peux activer ou désactiver la priorité visage. Certains objectifs Sony sont pourvus d'un petit bouton programmable. Ici j'ai mis verrou AF. Bien entendu, ces boutons sont programmables pour la fonction photo, la fonction vidéo et la fonction lecture. Et ici nous avons les réglages pour le menu fonction qui est derrière l'appareil. Bon, c'est vrai que vu comme ça, il y a de quoi se tirer les cheveux. Mais les possibilités sont tellement infinies. D'ailleurs, j'ai quelques raccourcis qui se répètent, mais au fur et à mesure que je fais mes shootings, j'optimise mes menus. Une fois les boutons raccourcis maîtrisés, c'est du pur bonheur. Ça va tellement plus vite et simplement. Et donc... Conclusion. Le menu Sony, est-il si terrible Je dirais que oui au départ, car il est complet et complexe. Il faut prendre le temps de l'apprivoiser pour voir ce que nous avons réellement besoin d'utiliser. Et le fait de pouvoir le programmer et d'avoir tous ces raccourcis, ça devient pour moi le menu le plus me bien au monde. Car <laughs> chacun finalement l'adapte comme il a envie. Et pour vous, quelle est la marque avec les meilleurs menus je suis curieux de le savoir, donc n'hésitez pas à le noter en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce fameux menu de Sony n'entra plus vos nuits. Si ça n'est pas encore fait, abonnement, la cloche, le petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer car d'autres vidéos arrivent bientôt. Quant à moi, je vais aller ranger ma batte car j'adore mon menu. Salut!